Sujet du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Est-ce que vous vous souvenez de la sœur Nathalie Bécard? Alors j'essaye de vous retrouver le lien de la vidéo où je décrypte son langage inclusif et écologique. Alors j'ai fait ça il y a quelque temps en plein essor du fameux synode des évêques, le fameux synode sur la synodalité. Vous savez, cette espèce de machin qui a coûté très cher et qui servait à rapporter des décisions déjà prises, c'est-à-dire d'inclure cette Église, voilà, c'est le mot exact, de l'introduire dans la modernité du wokisme, de l'inclusivité et de l'écologisme. Et Nathalie Bécart en était la sous- secrétaire, sous-secrétaire de ce synode, désolé pour ce titre peu honorifique, sous-secrétaire, ils auraient pu quand même l'appeler secrétaire tout court. Enlever le sou dévalorisant. Mais il n'empêche que cette fonction, cette haute fonction, lui permettait de s'étaler dans toutes les presses mondiales pour rapporter euh, les grands engagements de cette nouvelle Église, de cette Église 2.0, dans laquelle elle-même tutoyait les cardinaux. Sauf que voilà, le synode est en voie d'essoufflement et la sœur Bécart s'ennuie. Elle s'ennuie ferme au point que la voilà qui s'épanche dans les médias. Et le 25 avril, ainsi donc, elle va s'épancher sur les futures diaconesses dans le journal allemand dit « Tagespost ». Vous me direz si je prononce ça bien en commentaire, vous allez beaucoup commenter aujourd'hui. Elle explique que euh, non, il n'y a pas encore de consensus, elle adore ce mot, les consensus. C'est un mot merveilleux pour sœur Nathalie Bécart. Mais elle pense qu'il serait quand même possible de laisser euh, la libre appréciation d'ordonnées. Euh, guillemets, bien entendu, mais pas pour elle. Il hein, n'y a pas de guillemets. Des femmes euh, diacres, euh, cette libre appréciation euh, aux différentes conférences épiscopales. Alors, il me semble que sa vision du sacrement de l'ordre est très éloignée de la mienne et de celle d'un catholique normal. Alors là aussi, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et il me semble aussi que pour son bien, euh, sœur Nathalie Bécart serait bien plus à son aise à militer euh, à Europe, écologie, les Verts auprès de Sandrine Rousseau que dans une église, quelle qu'elle soit. Quoique, à bien y regarder, euh, l'église sans majuscule dans laquelle elle milite ressemble... De très près à Europe Écologie Les Verts, bien plus qu'à l'Église catholique. Là aussi, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ah, je vous fais part d'une petite réflexion, une réflexion que j'ai eue cette nuit. Alors, je me suis réveillé pour la noter parce que moi, les réflexions qui me viennent la nuit, si je ne les note pas au matin, elles se sont évaporées mais celle-là euh, m'a plu au point qu'à trois heures du matin euh, j'ai rallumé l'ordinateur j'ai rallumé euh, open office et euh, j'ai pris des notes euh, de ma grande pensée et que me dit cette réflexion voilà dans ma grande expérience de vie euh, les gens que j'ai pu croiser les personnes hommes et femmes euh, les amis dans mon village euh, à travers mes voyages autour du monde à la voile euh, j'ai croisé finalement euh, trois types d'hommes. Alors, évidemment, euh, c'est descriptif, euh, ces trois types d'hommes se décomposent eux-mêmes en catégories, sous-catégories, sous-sous-catégories. Mais il y a grosso modo trois types d'hommes. Il n'y en a pas quatre, il y en a trois. Alors le premier type d'hommes, c'est de femmes. Hein. Je suis bien entendu très inclusif dans ma pensée. Euh, ce sont les hommes qui vivent pour la gloire et l'argent et méprisent le ciel. Ça, c'est un type euh, que l'on voit actuellement euh, prédominant et qui, en plus, occupe certains postes, des postes de pouvoir. C'est eux qui ont le pouvoir, il faut le dire. Le deuxième type d'hommes, ce sont ceux qui vivent pour le ciel et sont bien évidemment et bien naturellement les ennemis des premiers. Alors oui, avec des variations on vit pour le ciel comme on peut à sa manière en utilisant des moyens qui sont les nôtres, qui nous sont propres. Bon. Mais voilà, deuxième type d'homme assez rare, il faut le reconnaître, ce ne sont pas les plus courants. Les plus courants ce sont les autres, la troisième catégorie, la grande majorité, ce sont les hommes qui ne savent pas pourquoi ils vivent, mais alors pas du tout. Et eux, ce sont ceux qui ricanent bêtement des seconds, c'est-à-dire de ceux qui vivent pour le ciel, en vue de plaire aux premiers, donc euh, les cuistres, les lâches, euh, le troupeau. Les premiers qu'ils admirent et dont finalement ils sont les jouets, pour ne pas dire les, euh, les esclaves, enfin les idiots utiles. Couchez-vous, hein. euh, couchez, masquez-vous, couchez, masquez, masquez picousez-vous, picousez, euh, mettez-vous sur une jambe, oh, une jambe. C'est pour votre bien. Oh, c'est pour mon bien. Voilà. Donc évidemment c'est la grande majorité. Alors bien, encore une fois, venez commenter. Dites-moi en commentaire si vous percevez. Une quatrième humanité possible à intégrer dans ce catalogue que je ne prétends pas, bien entendu, exhaustif. Alors, parlons de mon tour du monde, de ce que je vous propose, le tour du monde par les trois caps en solitaire pour la gloire de notre Seigneur que j'entends organiser, que je n'abandonne pas, loin s'en faut. Non, non, non! Partons en croisade autour du monde sur un voilier pour la gloire de notre Seigneur avec des voiles euh, aux couleurs du Sacré-Cœur et pour la vie des deux Sacré-Cœurs, aux couleurs d'ailleurs, pile le Sacré-Cœur de Jésus et face le cœur sacré de la Vierge Marie. C'est-il pas beau Bien, peut-être n'ai-je pas assez d'ambition. Alors. Où en suis-je J'en suis assez loin finalement. J'ai repéré un voilier qui pourrait participer à ce rallye qui s'appelle la longue route, qui ne vaut pas très cher, euh, dont l'argent de la revente pourrait servir ultérieurement pour une cause catholique, euh, ou être redistribué à des nécessiteux, ou, ou, ou d'ailleurs servir, euh, ou le voilier lui-même servir une cause en transportant, je ne sais quoi, des médicaments, des prêtres, enfin, ce que vous voulez. Donc, euh, on est quand même assez loin, reconnaissons-le, du financement de cette course autour du monde. Eh bien, peut-être que je manque tout simplement d'ambition. Peut-être que j'aurais dû, là, dès le début, vous proposer de participer à la grande course officielle, Au Vent des Globes. Et peut-être aurais-je dû... Euh, vous proposer de partir en quête d'un 60 pieds Imoka bien entretenu, euh, bien équipé et partir parcourir cette course avec les autres concurrents. Ah bah oui, là évidemment ça aurait euh, de la tronche pour ne pas dire un gros mot. Ça en aurait, vous imaginez, un voilier financé par une chaîne YouTube catholique visant à promouvoir la chevalerie. Ce serait pas beau Bon, c'est peut-être ça qu'il faut pour réveiller les troupes. N'allons pas au petit rallye euh, qui s'appelle la Longue Route et qui fait le même parcours mais sur des voiliers modestes. Allons carrément au vent des globes. Est-ce que c'est ça que vous attendez finalement Quelque chose qui est vraiment de l'envergure. Alors évidemment aussi, ce ne sont pas les mêmes budgets. Là nous passons euh, du foie... Euh, allez, soyons modestes, du foie 20. Euh, on est dans le million d'euros. Ben, soyons fous. C'est peut-être ça qu'il faut. Ben, Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, moi j'ai des ambitions modestes. Je suis un modeste petit youtubeur, capitaine. Et euh, l'élan euh, de la chevalerie euh, en France, il faut bien dire... Euh, il peine à démarrer, ça peine, ça peine. Oh, si je m'en tiens à la, la basique comptabilité d'une chaîne YouTube comme la mienne, waouh, wow. Alors il y en a des chevaliers parmi mes abonnés, il y en a. Il euh, y a des gars qui sont prêts et euh, qui, qui, qui sont euh, d'avis que bah, c'est le seul moyen, hein, retrouver l'honneur et euh, l'élan d'une chevalerie. Pour s'opposer euh, à nos ennemis qui sont constitués par le premier type d'hommes énumérés ci-avant, donc ceux qui méprisent le ciel et qui n'œuvrent que pour la gloire et l'argent, qui méprisent le ciel et qui méprisent les hommes, donc le deuxième type, qui eux vivent pour la gloire de notre Seigneur, qui font tout pour leur nuire. Bon. Vous avez bien compris que si nous ne retrouverons pas le sens de la chevalerie, donc de l'honneur catholique, nous travaillons pour l'honneur de notre Seigneur, euh, ces gens-là auront le champ libre définitivement. Bon, enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Faut-il euh, proposer eh Bien, euh, puisque le petit niveau, la, la, le petit rallye, bah ben non. On ne va pas trop participer, puis non, on comprend pas bien. Ah bah allons, allons directement au des globes, tant qu'à faire. Parce que moi personnellement, je n'ai aucune intention de renoncer, aucune. Voilà, sauf accident, sauf ce que vous voulez. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie, les aléas. Voilà. Bien, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. De la sœur Nathalie Becard, de ma classification de l'humanité de ce tour du monde par les trois caps en solitaire euh, venez commenter abonnez-vous surtout parce qu'il ne faut pas laisser l'internet aux ennemis de notre seigneur les catholiques doivent occuper le terrain le plus possible donc vous vous abonnez et à demain peut-être